coucou tout le monde, dans l'air reparti sur une journée chargée et on va aujourd'hui éliminer le boss que j'ai tenté de tuer la dernière fois mais qui a résisté. Pour cela on va équiper un petit peu de nouveau matériel que l'on va acheter. J'ai regardé un petit peu ce qui était proposé. Je ne peux pas faire le matériel, enfin les armures moi-même maintenant, mais je peux au moins aller l'acheter au magasin. Donc on va faire ça, je vais quand même relancer un petit peu, hop, deux poissons. Donc j'ai décidé de griller du poisson plutôt que de la viande, car vous pouvez voir, ça me donne 30 points de vie par seconde, contrairement aux 15 points de vie de la viande. Comme ça, au moins, j'ai plus de points de vie à régénérer. Alors, hop, toi, t'es reparti. Donc j'ai passé pas mal de temps sur les deux ou trois derniers jours du jeu pour gagner des poissons et de l'argent pour acheter ce matériel. Donc je sais pas trop encore combien ça va me coûter. Donc en route vers la ville, on va se débarrasser de quelques petites choses que j'ai dans les sacs et on va les combattre. Très bien. Tiens, au passage, on va récupérer les disques de données que j'ai failli oublier. J'en ai besoin pour valider la quête de l'invasion des pandas. Alors je pense... non, pas toi. Je pense que c'est plutôt... dans un, voilà, j'en ai une dizaine que j'ai obtenu en minant. Alors ça va être suffisant pour tout ce que je veux faire, mais bon, hein, c'est un début. Donc alors j'ai vu qu'il y a une quête là. Django. Alors, l'épée de Django. Ah, j'ai une épée sur moi, est-ce que je vais pouvoir te la donner? Ah, il te faut une épée en bronze et moi j'ai l'épée... j'ai l'épée d'entraînement à clous, zut. Et je vais pas te donner mon épée en bronze, donc va falloir revenir un petit peu plus tard. Du coup, alors où vendre? Alors je pense que je peux vendre... Non, pas à toi, ça va être à celui-ci. Ces choses-là. Donc, hop, on s'en débarrasse, ça prend juste de la place. Toi, le talisman me donne plus 5 de défense, ça ne suffit pas, on va s'en débarrasser. Les raquettes plus 10 d'attaque. On les élimine, j'ai d'autres choses à la place. Les lunettes, on va les garder. Bah tiens, on va le faire tout de suite. Hop, les lunettes me donnent plus 10% de critique, ce qui va remplacer le petit en bois. Parfait. Comme ça, je suis un petit peu mieux. Est-ce que, ouais, je peux me débarrasser de toi? Ouh, 100, quand même, ok. Et on va se débarrasser de toi. Et tout ça, c'est pas mal du tout. Tu ne me vends pas... Non, tu ne vends pas d'autres choses. Donc, on va aller là, et ce que je veux... On va prendre le plus cher. Donc le plus cher, la meilleure armure, va être celle-ci. 90 de défense. Ah, level 20. Ça aurait été un petit peu... Ouh, je suis passé à 5000 avec tout ça. Ah, du coup, toi, level 15. Level 15, c'est jouable. Je suis level 16. Et le froc... Alors pourquoi le froc là et le... J'ai l'impression que le froc là va avec lui. En fait, non. Ok. D'accord. En fait, c'est... Ah, le... Le maillot de bain coloré est vendu. On va le donner. Alors, ok. Donc, je vais prendre toi. 60. 60. Ok. Donc, tac. En plus, ça va me faire des économies. Je pensais... Ouais, moi, je comptais acheter cela. Donc, j'ai farmé à mort. Et on va acheter toi. Ok. Ah, il est là. J'ai eu peur. Tu vas l'équiper. Ouh. Et donc là, en défense, on a dû gagner combien? 120 points, c'est ça? Ouais, 120 points et 40 d'endurance. Alors, la défense, je suis passé de 33 à 153. Bon, alors, bah, du coup, on va aller donner le maillot de bain. On va donner le maillot de bain à notre futur chéri. Et on va aller explorer les ruines. Alors, ma chérie, elle est où? Elle est là. Ah, la voici, Nora. Te voici. Donc, discuter. D'accord. On peut discuter encore? Non, ok, elle redit la même chose. Cadeau. Plus 15. C'est... Ouais, j'adore. Et j'ai eu un achievement. Les yeux pour les cadeaux. Donc, en gros, j'ai fait un bon petit, cadeau. On va faire quoi? On va aller donner les disques de données. Et on va... Puis, il y aura beaucoup de choses à faire. Et on va passer ensuite... Oh, mon gars a vraiment l'air plus classe, hein. Il est vraiment... Oh, super classe. Donc on va donner ça là-bas. Et puis, on va aller au donjon. Et au final, j'ai tellement de choses à faire que... Il faut également que je fasse la quête du jour. Parce que j'ai commencé sur ce dernier jour à faire les quêtes pour la guilde.
Ok. Attendre. Ok, bon, on va attendre. Bah, vas-y, prends ton temps. Ça me va. Et on va aller. Je me rappelle plus comment il s'appelle le donjon. Les égouts, un truc du genre. Ok. Là? Ouais, là. Il y a un magasin là? Magasin de l'homme mystérieux. Ah oui, ok. J'ignore quand il revient là. Ah, très bien. Très bien, très bien. Et regardez avec les lunettes, mon petit gars. Ah, c'est marrant quand je passe. Hein. Okay. En gros, vous n'avez pas le provoquer. Donc, alors, on va aller vers la gauche. On va passer par là. Et normalement, le donjon est juste à côté. Quoi là-bas? J'ai vu la couleur. Ah, c'est un ennemi qui passe. Au passage, j'ai gagné un point à distribuer. On va le mettre dans la récolte de bois toujours. Alors, normalement, après, je vais débloquer la pêche. Ce qui va me permettre d'identifier un poisson. Ça, je l'ai regardé. J'ai regardé tous les arbres. Identifier un poisson. Ok, normalement. Ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être utile si jamais je veux choisir les meilleurs poissons. Alors... je suis où là? Je vais juste me mettre à un endroit où il n'y a pas d'ennemis à côté. Il faut aller là-haut. Là-haut. Alors, ben on retourne là. Level 10 à 15, même si on est passé au 16. On va faire avec. Par contre, côté défense, là, je vais plus trop m'inquiéter. Hein. Donc, il n'y a que 4. Il y a 6 étages. Ok. Vraiment? Il n'y avait pas 4 avant ou c'est genre... c'est genre j'ai raté une fois ou alors j'ai monté de level donc il m'en rajoute. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, en tout cas, comme d'hab, ça va me donner vraiment beaucoup de ressources, pas mal, chaque étage. Donc je vais pas me plaindre. Level 2. Ouh. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour moi de tomber dans l'eau là ou... Ok. Perds des points de vie. Donc maintenant c'est. Est-ce que je peux. Ok, je crois que je peux, mais pas passer dessus. Mais je peux peut-être cliquer. Ouais. J'aime pas quand ils essayent. Ah, peut-être de là. J'aime pas quand ils essayent de faire du platforming, vous voyez. Avec des commandes un petit peu. On va pas dire bancales, mais pas parfaites, quoi. Et là, ça a l'air d'être un meilleur coffre que ce que j'ai habituellement. Une puce en silicone. Et nous voici revenus là. Alors, bah, la technique va être de défoncer en résistant aux attaques. Alors, est-ce que je peux... Oups là. Je crois que je peux mettre pause. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais au moins vérifier. On va manger toi et on va manger ça de quoi se défendre. Je pense que c'est pas mal. Et c'est parti. Est-ce qu'il m'attaque quand je suis en mêlée? C'est ça que je veux voir. Est-ce que je prends des dégâts? Ok, son attaque là me fait des dégâts, pas énormément. C'est son attaque de flingue que je vois. Ok. On continue. Ah, il faut que je le ramène vers le centre. Ah! De côté. Je pousse vers le centre. On va manger cette fois-ci du poisson. Donc là, ça va. Alors là, vraiment, la différence... là, je serais probablement mort parce que j'ai pris trop d'attaques si je n'avais pas mes armures. Est-ce que je prends des dégâts là? Oui, je prends des dégâts quand même. Alors on va revenir là, on va manger du poisson. Pas grave si je prends des dégâts. On va le tuer, vous.
Plus simple. Ok, j'ai récupéré les 10 de données, ça m'arrange. Oh non, j'hallucine, il vient de récupérer la veste que j'ai achetée. Ok, bon, on va la vendre. Okay. On a eu d'autres artefacts. Mais avant de partir, on ramasse tout ça. Ouh, encore du disque de données, des pièces anciennes. Ça, c'est vraiment pas de refus du tout, du tout. Ah, il n'y a pas de caisse derrière. Ah, je peux pas aller là-bas, ok. Ok, sortie, la sortie est là. Voilà, j'ai tellement tourné que je me rappelais plus d'où je venais. Et donc, vengeance, et là, il se passe quoi? Donc, on a débloqué le 15 à 18, mais ça me suffit. Je vais pas y aller plus longtemps. J'ai fait ce que je voulais, on a battu le premier boss, on a obtenu des petites choses. Il est quelle heure? Il est 15h20. Parfait. Et alors, est-ce que j'ai gagné beaucoup d'XP? Ouh, je suis bientôt... Je suis sur le point de passer au level 17. Alors le Ploufi, on va l'ignorer. On va les ignorer et on retourne à la maison. Voilà, donc on revient à la ville. Ce que je veux faire maintenant, c'est aller tout de suite à la guilde... Ouh ! À la guilde des commerçants. Tac. Pour aller choper une nouvelle quête. Fourrure colorée. Ok. Les chauves-souris. Attendre les diagrammes. Faut toujours attendre. Je sais pas si la quête va se mettre à jour lorsqu'il sera temps d'aller les voir. Ok, qu'il arrive 16h. Je pense qu'on est encore bon. Ok, rien du tout. Le problème, c'est que si j'accepte cette quête, est-ce que je suis bloqué? Je peux pas en accepter d'autres tant que j'ai pas fait le Didi. Je crois pas que je suis prêt, il me faut du caoutchouc. Chaque Didi est long à faire. Hein, donc, ouais. Je vais peut-être préparer les pièces à l'avance et voir après si... Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais bon, je me sens pas prêt à les faire là tout de suite. Alors, il y avait quelque chose d'autre que je voulais faire. Ah oui, on va aller là et je vais voir comment améliorer... S'ils sont toujours là, comment améliorer le constructeur, vous savez. Alors. Alors, c'est le poste d'assemblage. Ça, j'ai. Ça, je peux avoir. Et les barres de fer. Donc, les barres de fer doivent être faites avant le poste d'assemblage. Ce qui m'étonne un peu. Parce que je sais pas comment les faire fondre. La maison. Ça, c'est très jouable. Bon, 10 000, c'est un peu cher. Elle nous fait quoi la maison? Plus 200 points de vie, plus 100 points de fortitude, plus 60 points d'attaque, plus 60 de défense, et ça déverrouille le mariage. Ouais, donc là, il va me falloir y songer. D'accord. Bon, bah, on a vu tout ça. Il faut que je trouve comment faire du fer. Faire du fer. Continue. On n'avait rien là-bas. Et il me reste encore de l'endurance. Côté poisson, on est bon. Est-ce que j'en fais plus ou je le garde pour le vendre? Ouais, là, j'en ai assez de poisson pour quelques temps. Hein. On va pas en faire plus. Alors, je voulais faire quelque chose en revenant. Je me rappelle plus trop ce que je voulais faire. Ah oui, voilà. Agrandir notre terrain. J'espère que j'ai l'argent. Je crois que c'est 1500. 1500. J'avais dit que j'allais le faire dans l'épisode d'avant. Ça a attendu un petit peu. Du coup, on va annuler. Est-ce qu'il faut que je bouge les choses? Non. Ah, je peux peut-être le bouger quand ça a annulé. On va te poser là et on va relancer du verre parce que j'ai plein de sable et que je pense pas que le sable soit utile pour quoi que ce soit d'autre. Comme ça, de tête. Toi. Ouais, prendre. On va te poser là. On va maintenant prendre toi également. On va te mettre là. Ok. Ça, je peux pas te bouger. Il faudra le bouger depuis là-bas, d'accord. Bah, pour le moment, tu vas être au centre. Des plaques de cuivre. J'en avais besoin pour quelque chose, des plaques de cuivre. Et on va faire l'épée en bronze.
Pour l'épée en bronze, il me faut toi. Pour toi, il me faut du bois. Je n'ai même pas assez de bois. Ah bah tiens, alors je sais ce que je vais faire là avant de dormir. Et pour claquer mon énergie. Donc bah, on va récolter plein de bois. J'en ai besoin pour alimenter mes fourneaux, pour construire mes choses. C'est juste indispensable. Donc bah, on a quoi? Il est 19h. Allez, on va y aller jusqu'à pratiquement minuit. Je peux de toute façon vraiment me lâcher. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé la zone, ça m'a pris même un petit peu plus de... un peu moins de temps que prévu. Et il me reste 15 points d'endurance. Et donc on va tenter de voir si je peux au moins... Je vais pouvoir le casser lui, mais je pense pas que je vais pouvoir casser la souche. Ok, c'est pas grave. On ramasse toi, là j'avais quoi? Un petit peu de résine. On va y aller. Alors j'ai remarqué quelque chose de vraiment cool. C'est que quand on vient là, et que l'on clique sur trier, ou sort hall plutôt, ça va ranger les choses dans le coffre, mais pas seulement dans le coffre d'ouvert, dans tous les coffres. Du moment que vous avez un coffre à proximité et que la ressource est dedans, ça va aller dedans. Et ça, c'est juste génial. Et alors, maintenant que j'ai tout ça, je vais regarder pour faire cette épée. Parfait. Maintenant, je peux faire toi. Ouais, c'est parfait. Et on a l'épée du bonhomme. Mais c'est pas tout, j'ai besoin de stockage. Je suis un peu surpris de pas en avoir mieux de stockage. Coffre en métal. Du verre renforcé et des plaques de bronze. Alors le verre renforcé, je sais pas trop où le faire. C'est vraiment la question. J'ai pas vraiment le plan. Alors est-ce que le plan s'achète? Parce que là... Batterie amovible. Ah, ça, j'ai à le faire, ça. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Deux ressorts, j'en ai déjà. Trois pierres pouvoir, j'en ai. Et trois de marbre, ça va se faire facilement. Je sais plus pourquoi on en a besoin. Ah oui, alors ça viendra pour plus tard. Là, vraiment, je suis un peu coincé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on y va. Et on va dodo. Ah, j'ai pas posé. J'ai pas posé le miroir. Le petit miroir que j'avais chopé dans l'exploration précédente du donjon. Et on va te mettre, bon, on va te mettre à côté du lit. Comme ça le matin quand je me réveille. Changer la couleur. Ouh. Ok. Est-ce que je peux faire la même chose? Ouais, je peux faire la même chose sur ça. D'accord. Mais déjà on va dodo. Ouais. Et j'espère que demain il va faire beau. Et on a d'autres belles choses à faire. Regardez le qui se lève avec. Il avait les lunettes de soleil en allant dormir. Bon. Ah, une lettre. Je laisse la plante. Hein, je sais que je l'ai vu la plante à ramasser, mais j'ai juste pas envie de la mettre dans mes coffres. Nous avons le résultat du diagramme. Ah bah tiens, on va y aller. Avant, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Je voudrais faire le coffre renforcé, mais. Devoir faire 100 alors. Ok, donc on va faire. Où est-ce que je peux les mettre? On va les mettre là. Voilà. Et celui-là également. Donc les deux artefacts, on va les mettre là. Du coup, changer la couleur. Arte... Oh, je suis en QWERTY. Ok, et les artefacts vont être... couleur vert. Ok. Ah, il me faut pigment. Je peux pas. Ok. Bon, on va annuler... Ok. Non. Voilà. Maintenant, on va retirer tout ce qui est pas artefact là-dedans. Ah, il est vide. Il est vide, celui-là. Toi, t'es pas un artefact. Toi, on va te débarrasser. On va se débarrasser de toi. Ça, c'est... Si, c'en est un. Ok. Graine. Hop. Power Stone. Ok. Maintenant, on va venir là-dedans. Et je devrais en avoir... Toi. Toi. Un petit peu de ménage. Ah, justement. Alors, on va poser toi. On va le vendre.
là-dedans. Rien. Ou alors je peux rater un ou deux trucs, mais c'est pas trop grave non plus. Ah non, ça c'est pour l'établi 2. Ok, et maintenant on vient là. On vide. Tac, tac. On ira les assembler plus tard. Hein. Ça sera un autre épisode. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, bon. Alors, maintenant. 4. On va devoir aller à l'église également. On va aller au musée. Non, pas au musée, au laboratoire. On va faire un petit coucou à notre chérie qui doit être... Elle est là-haut. Je la vois monter. Ah oui, on est dimanche, c'est vrai, ils vont à l'église. Donc elle devrait être là-haut. Si tout va bien, elle est peut-être même devant tout le monde. On va la voir tout de suite. Premier. Ouh. Elle est haut. Elle est où, ouais. Tout devant. Ok. Discuter. Cadeau. Ah, j'ai pas... Pas grave, on va lui donner ça. On va voir où on en est avec elle. On en est où? Bientôt à 3. Et alors, j'ai un point claqué. On va te mettre dans toi pour... je crois que ça va te libérer la suite. 5 points. La fortitude augmente de 2. L'endurance max augmente. Ok. Ouais. Ok, appliqué. Et on peut maintenant... Alors, identifier un poisson avant de pêcher. Plus 10% d'avoir des choses en plus en cultivant. Ok, non, pas mal, pas mal. Ok, donc maintenant que l'on a fait ça, on va au laboratoire. On s'arrête par le restaurant parce qu'il y a le gars qui veut son épée dans le coin. Il travaille même le dimanche. Et 500 d'XP, ouh, pas dégueu, pas dégueu. Alors je sais pas combien me donnent les monstres, mais je me dis que 500 doit être pas mal. On va regarder, on en est... Ah oui, comme 24 000 pour le level, ouais. 500 est pas énorme au final. Et on continue. Alors, est-ce que j'avais besoin d'aller là-bas ou... Est-ce que là j'ai le maillot de bain déjà? Il n'y a pas le maillot de bain. Fabriquer l'outil. Il faut le fabriquer de chez moi sans avoir à venir là. J'ai l'impression que j'avais pas besoin de venir. Statut de DS. Il me faut toujours les disques de données. Mission. Donc les diagrammes nous ont été donnés avec la lettre, en gros. Hmm. D'accord. Bon, on va rentrer. Et j'ai des poissons à vendre également, oui, j'ai failli oublier. Bah tiens, on va voir là le prix. Ah ouais, non, le prix est trop bas. On m'a dit, ne pas vendre quand c'est trop bas. Et là, moins 25% par rapport au prix max, c'est trop bas. Surtout que je peux l'avoir à plus 115, ce qui me ferait ce qui me ferait 30-40% de plus en fonction du prix. Si jamais j'y vais un bon jour. Ok. On va à notre base. Ah, il faut vraiment également que je fasse toi. Ah, la souche est toujours là. On va la virer juste pour l'apparence, ça me ferait du bois. Et pour pas que ça empêche les autres arbres de revenir. J'avais pas assez d'énergie pour la finir, celle-ci. Alors, quel est le coût du level suivant pour mon terrain? $15 000. Ok, c'est quand même de 1500 à 15 000. Hein, c'est du x10. Hein. Ah ouais. Ah, ça picote un petit peu. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, alors. Ah, je sais pas trop d'où on fait la machine. Peut-être de là. Ah, le haut-parleur. Alors, il y en a deux, je suppose. On a la radio cassette. Hein, qui va me coûter 2 bobines. Deux puces, deux corps, ça il faut, je sais pas si... Le corps à fabriquer sur un établi level 2.
Avec. Oh là là. Avec 18 de cuir bleu. Le plus embêtant, ça va être le corps en cuir. Sinon, je peux faire toi qui demande beaucoup moins de ressources, le haut-parleur. Mais je me dis, tant qu'à faire, on va faire la meilleure. Alors. Deux bobines en cuir. On va commencer. Oh là là. Faut vraiment que... Les émisous. Là. Tout ça. C'est placé. Ensuite, boîte à cassette. Corps en cuir. Plaque de bronze. 8 plaques de bronze. Tu vas m'en faire 6. Et c'est parce que je vais pas avoir assez de bronze. Donc on va en faire un petit peu plus. Alors, je viens de faire un tour à la mine, histoire de récupérer un peu plus de cuivre, parce que j'en suis vraiment à court. Et je viens de me rappeler qu'il y a quelque chose que je dois acheter à l'église que je n'ai pas fait avant. Donc on va le faire tout de suite. Bah tiens, regardez. Ils y sont. Oh, ils y sont allés toute la journée. Hein. Bah dis donc, vous êtes dévoués. Hein. Oh, fermé. Fermé, bah ouais, ça reviendra demain. Je voulais acheter un gros, je crois que c'est à l'église que ça se vend, une grosse caisse pour cultiver, parce que je n'ai pas, là actuellement j'ai la petite, il me faut la grosse pour l'arbre cristal que j'ai acheté. Alors en y allant, j'ai obtenu quelques nouveaux disques, donc ça c'est vraiment cool. Et alors on va revenir et on va lancer la production de plaques de bronze. Les plaques de bronze hein, qu'il me faut, hein. J'ai pas fait une erreur. Puissance silicone, ah, puissance silicone, plaque de bronze, ouais. Boum, c'est posé. Donc bah tiens, je vais remettre ça là. Il n'y a plus de place, ouais. Voilà. Donc. On va remettre, mettons, on va t'annuler. Plus de bronze. Plus de bois. J'en ai encore 150. On va mettre du carburant pour le verre. Franchement, on annule le verre. Tu te lances dans le bronze. On va en avoir besoin de beaucoup. Et ici, on en est à 3 sur 6. Alors, j'aurais aimé en avoir un tout petit peu plus, mais ça a l'air d'être un petit peu long parce que... Donc, 5 heures. Et là, il est que 19 heures. Boîte à cassette. Regarde, qu'est-ce qu'on... Corps en cuir. Ah oui, c'est celui-là. Et j'ai que 3 cuirs bleus. Bah, ça s'obtient dans l'autre zone. Et des bobines. Alors, les bobines. Barre de fer. Barre de fer qui reviennent encore. Incroyable. Et la boîte à cassette. Je sais pas trop comment la faire, la boîte à cassette. Alors, on ramasse toi, on va en faire d'autres. Musique, non. Il n'y a pas souvent. Ok. Ah, plus de plaques de bronze. Bah, que 2. Ouais, je vais aller loin avec ça, mais au moins j'ai mes 8 pour là. Ah, oh, ça commence à avoir de la tête. Alors, on est parti. Ah, un message. La 4e place dans le classement des ateliers du mois dernier. Nous espérons que tu progresses. J'ai rien gagné pour être à la 4e place. D'accord. Il fallait être probablement à la 3e. Donc, à partir de maintenant, on va commencer sérieusement à monter en grade. Vu que la nouvelle semaine démarre et que les classements ont été remis à 0. Donc, on va aller là. On va accepter un job. Alors de quelqu'un, Petra. 4 pièces de verre, c'est jouable. 4 talismans, on va faire les 4, vu qu'on va aller voir Petra. Donc on va lui donner les 4 pièces de verre tout de suite.
voit pas. On ne voit pas notre chéri dans le coin. Ok. Du verre. Il y en a. Il est où mon verre? C'est ça hein, les 4 pièces de verre, on est d'accord? Ouais, c'est bien ça, il m'en faut juste 4 par contre. Clac. Comment je le sépare? Voilà. 2, 3, 4. Voilà. Et on est reparti chez Petra. Et alors oui, sur le passage. Ah, alors normalement j'ai quelque chose de nouveau avec notre chérie. Si on la voit. Elle est toujours pas montée? Ou alors elle est montée super tôt? Elle est peut-être dans son appart. Alors pour être franc, j'ai jamais réussi à la trouver dans son appart. Je la vois sortir, mais je la vois jamais dedans. Ah, elle vient de sortir! Elle a te regardé, elle dit. Ah, le gars, il arrête pas de me stalk. Je vais essayer de. Ok. Alors là, vous voyez, vous avez un nouvel icône. Ah, alors discutez. Un lapin buveteux. Alors, on va lui donner son truc standard. Ok. Le lapin du VTE, je sais pas, on va le trouver. Jouer. Alors, où allons-nous jouer? On va jouer à la place Peach. Demain de 10 à 12 heures. Alors, ça va être dans l'épisode suivant, mais on va voir, vous allez voir ce qu'il se passe quand vous jouez avec Nora. Et il n'y a rien de coquin. Alors, je vais quand même juste m'arrêter là. Pour voir s'il n'y a pas son maillot de bain. Non. Et alors, on en est où avec Nora? Ouais, on est genre... J'aurais peut-être dû faire pierre, papier, ciseaux avec elle. PFC. Pierre, feuille, ciseaux, ouais. Non. Alors... Commande de la guilde. Parfait. Ah, rechercher. On m'a dit qu'il faut aller lui parler, lui donner 5 disques. Donc, enfin, on m'a dit. Je l'ai vu sur le wiki. J'en ai pas de 5 en plus. Ok, vitesse de recherche normale. Ah, nous avons quelque chose pour toi demain. Bah, génial! Génial, génial. Et oui, alors oui, faut que j'y pense à ça. On le fera plus tard. Avec tout ça, j'aurai mon disque demain. Et avec un peu de chance, j'aurai l'appareil pour faire la fournaise ou je sais pas trop quoi. Pour faire ce que je veux. Là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait la quête du jour. On va aller combattre un peu. On va aller combattre un peu pour obtenir du cuir bleu. Alors, j'ai découvert à la dure que je ne pouvais toujours pas tuer les Flurpies. Donc, à éviter toujours. Un combo, il m'a fait perdre la moitié de mes points de vie. Et encore, c'est parce que j'ai fui. Je pense qu'il m'aurait peut-être fini si je restais sur place. Donc, ouais, voilà. En tout cas, là, je suis bon. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gars, ils adorent faire tomber leurs nœuds papillons. Je ne sais pas trop encore à quoi ça sert. Mais parfois, je fais tomber plus de nœuds papillons que de cuir bleu. Ok. Ah, c'est comme ça. Genre, ils doivent mourir, ils doivent dire prends mon papier, monte. Plutôt que ma peau. Et du coup, bah là, je vais rentrer. Et alors, on va. Ouais, je vais commencer. Bah, on va aller au lendemain et on va faire un petite sortie romantique avec Nora. Et donc, on va à dodo. Mon gars se couche avec le sourire. Parce que demain, ou plutôt maintenant, aujourd'hui. On a un petit rendez-vous romantique. C'est parti. Et normalement, je devrais recevoir par la poste, je pense, le plan pour... Ouh. Tuss, comment vas-tu? Je suis l'agent T et voici mon partenaire, l'agent H. C'est les gars qui volent tous les trucs à tout le monde. L'agence de recouvrement des dettes des cités libres. De quoi parlez-vous? Je ne connais pas. Ton père nous devait 50 000 gold, mais bien sûr.
Ok, on va discuter avec le maire. D'accord, on croule sous les dettes. Allons ici. Centre de recherche. Ok, finalement, il nous l'envoie que demain. Je suis un peu déçu. Et donc, du coup, on a un rendez-vous. Ah, il faut aller parler au maire, oui. On va le garder ça pour l'épisode suivant. L'histoire. En attendant, on va aller faire... Ah, il me faut la batterie amovible. Ok. On va aller et on va voir... On doit être là à 10h. Hein. Je veux juste voir la quête du jour. On va aller faire pour monter au classement. Autant que possible. Donc là, ça devrait être bon. Alors... Du coup, le classement. Il est affiché là. Je suis quatrième à nouveau. Ah, c'est les points annuels qui comptent, c'est pas les points... Ah ouais, je pensais que c'était par semaine, moi. Je pensais que c'était par semaine. Deux poissons chats. Est-ce que je les ai là? Je les ai, ok, bon, on va le faire tout de suite. Par contre, 20 points de rep. Ah ouais. 29. 31. 29. 5 cordes, c'est jouable. 5 planches de bois. Bon, on va faire ça, ce qui me donne un peu plus de choses. Des planches de bois, est-ce que j'en ai sur moi? J'en ai pas sur moi. Bon, l'autre était tellement facile, mais bon, ça donnait genre allez, 30% de points en moins. Donc bon. Ah, elle est là. Elle nous attend. J'avais pas dit 10h à midi? C'est toujours pas ce qu'elle veut. J'ai pas regardé en fait si c'était différent. Confirmé. Commencez à jouer. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Tu veux te rendre à la table ronde. Ok, elle veut aller à la table ronde. La table ronde, c'est le restaurant. Donc en haut à droite, vous avez les petites godasses qui représentent les bottes, qui représentent les points d'action. On va faire des événements qui vont dépenser des points. Et en dessous, vous avez sa barre d'humeur. Donc si je me trompe pas... On va regarder sur la map, ça devrait être là. Table ronde, ok, c'est là. On y va. Bien sûr. Alors... Elle m'a pas dit qu'elles sont... Les nouilles sont bonnes, alors j'en mange souvent. Donc elle veut des nouilles. Je vais devoir sortir ses plats préférés, je pense, parce que la petite ne me donne pas d'infos. La première fois que je suis venu en test, elle m'avait dit tout ce qu'elle voulait. Donc, bah, on va lui donner un cadeau, déjà. Donc, on est passé à 19. On va commander. Ah! Alors, il faut que je note, parce que... Alors, nouilles... Je vais noter parce que moi je suis pas, je pourrais pas faire serveur, je me rappelle jamais de la liste. Donc mélange, fruits de feu, riz, vapeur, à la citrouille, riz sauté au poulet coco, ça m'a l'air pas mal. Tu dois aussi essayer ça, viande grillée au barbecue, ça a l'air pas mal, lait de chèvre. De Sim Céleste. Oh là là, la liste. Ok, donc elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Alors, du coup, mélange fruits de feu. Ok, boum, premier choix. Deuxième menu champ. Riz vapeur à la citrouille. Ouais, c'est quelque chose qu'elle aime bien. Elle a pas demandé le ragoût piquant de portin, heureusement. Ensuite, viande grillée au barbecue. Ah, lait de chèvre, non, c'est pas là-dedans. Elle m'a rien donné pour là. Elle m'a rien donné pour là, donc là, il faudra deviner moi-même. Ok. Ensuite. D'accord, toi. Et là, je sais pas trop quoi.
Donc là, il devrait y en avoir un. Là, elle en a demandé deux pour là, d'accord. Donc elle m'a rien dit là. Donc là, je vais devoir deviner. Mais par chance, j'ai le petit wiki qui va, qui va bien m'aider à du coup. Où il n'y a rien. Toi, dans légumes. Dans légumes, elle aime les champignons. À la sauce d'huître et... à l'ail. Voilà. Ensuite, là, on est dans la partie... petit dessert, et elle a pas de dessert préféré. En tout cas, d'après le site, je crois que j'avais choisi ça. On y va. Ok, ouh, c'était un bon. Essayez d'être plus raisonnable la prochaine fois. D'accord. J'en ai commandé trop. Alors, c'était genre, il en faut un par catégorie maximum, c'est ça? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut partir. Et alors, il nous reste 4 points. J'ai dépensé un point pour savoir ce qu'elle voulait. J'aurais pas dû. Et il y a d'autres endroits où on peut aller pour notre petit rendez-vous. Donc, on a... ici... on peut s'asseoir sur le banc, on va faire quelque chose que je n'ai pas fait avant. La balançoire? Ou alors ça? Allez, on va aller à la balançoire et pour un autre rendez-vous, on ira ailleurs. Normalement, elle va proposer elle-même, voilà. Tu veux faire de la balançoire? 3 points, ok. Donc après, il me reste 1 point. Ah, c'est une compétition. La partie est en 2 manches. Tu peux bouger la balançoire à l'aide du clic gauche ou droit. Attention à la vitesse, tu risques de te faire éjecter. Ajuste ta vitesse de balancement pour suivre le rythme de ton partenaire. Ta barre de progression augmente lorsque tu y parviens. Chronomètre. Une fois ta barre de progression pleine, une touche apparaît. Appuie rapidement dessus. Ok. Suis mon rythme. Ah, ok. C'est pas clic gauche et droit, c'est... ok. Encore une fois. C'est pas évident. Ah. Complètement décalé. Allez! Ah, j'arrive pas à m'en mettre! Ah, j'y suis pas arrivé! C'est affreux ce mini-jeu parce qu'une fois qu'on est plus dans le même rythme, on va se remettre dans le même. Affreux! Juste complètement affreux! je le déteste! Ok, là ça va me coûter plus de points que je n'ai, je pense. Pas assez de points, ok. Elle ne propose pas. Ok, c'est pas celui-là, donc il est... il est là plutôt, ok. Combien de points ça va me coûter celui-là? Bien sûr. Ah, oui, on va juste s'asseoir et on va discuter. Que faire ensuite? Ben, cadeau. On va te donner ça. Et on est à 66. Que faire ensuite? Poser sur mes genoux, prendre sa main, passer ton bras autour. Alors, il aurait fallu économiser le point que j'ai claqué au début. Et je pense que ça aurait été jouable. Mais bon. Du coup, plus 20 points de relation avec Nora. Et regardons où on en est. On en est à là. Donc, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, on ne peut le faire qu'une fois par semaine. Et donc, bah, on reviendra la semaine suivante. Et on va voir tout ça. Donc, alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va... bon, on va s'arrêter là pour l'épisode, parce que je crois que j'ai un peu dépassé. Et on va aller voir le maire pour notre dette. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!